La luzerne medicago sativa, luzerne cultivée, est une plante très commune dans les champs. Elle est cultivée d'ailleurs comme fourrage et pour enrichir le sol en nitrates ou en éléments nitratés, ce qui est principalement en azote. C'est intéressant, c'est que dans les racines de cette plante, comme beaucoup d'autres légumineuses, on retrouve des bactéries qui s'appellent les rhizobiums. Ces bactéries sont capables de fixer l'azote de l'air et d'enrichir le sol en azote. C'est pourquoi la culture de luzerne est extrêmement intéressante pour enrichir un sol en azote et donc améliorer par exemple la production de légumes bio par exemple. Ce fourrage est un engrais vert très intéressant, mais c'est aussi un fourrage utile pour les animaux. C'est également une plante médicinale. On consomme la luzerne sous le nom de alfalfa lorsque la graine est germée. C'est les fameux germes d'alfalfa, extrêmement nourriciers, riches en oligoéléments, riches en vitamine C et riches en fer. La luzerne elle-même, lorsqu'elle est développée, est utilisée également pour sa richesse en fer et en minéraux, comme reminéralisant. Par ailleurs, c'est une plante œstrogène-like, utile dans tout ce qui est bouffée de chaleur, mais par contre contre-indiquée fortement chez les femmes qui ont un cancer hormonodépendant ou un trouble hormonodépendant, comme par exemple les kystes ovariens, les mastoses, les fibromes, etc., ou endométriose. Voici une fleur de luzerne, très jolie plante avec des fleurs en grappes serrées, moins serrées toutefois que dans le trèfle, mais quelque part ça ressemble un peu au trèfle et ça fait des feuilles également trifoliées, comme le trèfle.